J'avais perdu ta tétine, mais je l'ai retrouvée. Je suis là, mon petit chéri. Maman va bien s'occuper de toi. Mon petit amour, tu es tout maigre. Chercher du lait. La propreté est affaire de santé, n'importe qui peut l'affirmer. Se sentir frêle, léger, de bonne humeur, la propreté, c'est le bonheur. Animaux humains compris, un bon marchand n'a pas de prix. Lave tes mains, brosse tes dents, être propre c'est important. Laver, se laver, et tous les jours recommencer. Ta chambre est ton domaine, ton chez-toi. Tu dois veiller sur cet endroit. Faire la guerre aux microbes est ta mission. La propreté, c'est la solution. Pour stopper les maladies, l'hygiène est un meilleur allié. Quand tout est propre, le monde sourit. Être propre, c'est la vie. Laver, se laver, tous les jours recommencer. Laver, se laver, que veux-tu dire? Alors je ne suis plus une maman? Ah.
Ma chat et le loup. Aujourd'hui, football. En direct du stade de football, aujourd'hui c'est la grande finale de la saison. Le match pour le titre de champion. Les deux équipes sont sur le terrain. Ambiance de folie dans les tribunes. Qui se... L'arbitre place le ballon au centre du terrain et c'est parti. Maintenant, concentré sur le jeu. L'équipe locale, malgré l'absence de son meilleur attaquant, prend le contrôle de la balle. Une passe, puis une autre, une autre. Le milieu de terrain, lui, est bien présent malgré son intense. Merci. Bon après-midi, chers téléspectateurs. Voici votre émission consacrée à la santé. Aujourd'hui, nous parlerons du stress et nous donnerons des conseils pour le soigner. Pour supprimer le stress en 10 minutes, voici quelques petits exercices. Installez-vous confortablement et relaxez-vous. Inspirez, expirez lentement, détendez-vous. Préparez-vous une bonne tasse de thé ou de café. Buvez-la lentement. Pendant 10 bonnes minutes. Pendant ce temps, videz votre esprit et ne pensez à rien d'important. Laissez tous vos soucis de côté. Ça m'intéresse pas. Remplissez votre baignoire d'une eau bien chaude et allongez-vous dedans. Continuez à faire des exercices de relaxation. Inspirez et expirez profondément. Laissez votre corps bien s'immerger. Continuez à respirer profondément. Grâce à cette méthode, vous allez pouvoir bien vous relaxer. Il est important de laisser le bien-être vous envahir pour vous permettre d'oublier tous les soucis de la vie quotidienne. Et c'est en pratiquant régulièrement que vous obtiendrez les meilleurs résultats. Montre-le-moi, Mishka. Quoi ? Tu veux que j'aille dans la forêt ? Et les loups ? Pas. C'est quand même bien d'avoir un mobile. Oh, attention petite chenille, j'appelle Mishka. Hop. Traverser. Merci Mishka. Absolument superbe. Et maintenant
On court! Mishka! Mishka, au secours! Mishka! Mishka, au secours! Au secours, Mishka! L'arbitre a sifflé la fin du match! C'est terminé! Je savais que tu viendrais. Des animaux. Alors voilà, c'est un bébé pingouin. Généralement, la femelle pond un ou deux œufs, verts ou blancs. Il faut le couver. Mishka, occupe-toi bien de ce petit œuf. Et fais attention de ne pas le casser, je compte sur toi. Moi, je vais me promener par-ci par-là. D'accord ? Ne mange pas ça. Non, les bananes, c'est pas bon non plus. Quoi?
Tu vas lui donner du poisson ? Oui, ça c'est ce que les enfants adorent manger. Oui, c'est bon. Et maintenant, Miska, on va faire la danse des petits pingouins. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui? Miska, il a beaucoup trop chaud. Il faut vite le rafraîchir. On a vraiment très très froid là-dedans. Miska, il reviendra nous voir. Miska, regarde ce que je viens encore de trouver devant chez toi. Très bien. Maintenant, je vais t'ausculter. Toc, toc, toc. Oh, j'ai l'impression que c'est sérieux. Je crois voir le problème. Et c'est un cas très compliqué. Et dans ce cas, la seule chose à faire... Ou alors... Il faut te reposer en restant au lit. Tu dois rester couché et te reposer. Un bon thé et de la confiture, voilà ce qu'il te faut. Un bon médicament doit avoir un bon goût. Oh! Tes livres! Tu ne t'es pas levé. Tu dois vraiment rester au lit et au chaud.
Alors, très bien. Je vais de nouveau t'examiner. Oui. Tu sembles aller bien mieux. Là aussi, tout va bien. Oh! Non! Ça ne va pas du tout! Mais pas du tout! C'est très sérieux! Je t'interdis de te lever! Oh! Hein? Tu étais malade hier et encore aujourd'hui. T'en as pas marre? Ok, ok, je vais encore t'examiner. Thank you.
Chia, je veux sortir. Mishka, je m'ennuie. Non. Non. Mishka, viens jouer avec moi. Je veux voir des dessins. Mishka, il l'a joué dans la télévision. Mais je m'ennuie. C'est un ennui tellement ennuyeux. Et si on tournait un film? Mishka, il faut commencer à tourner le film. Un scénario, il faut vraiment écrire une histoire. On peut sûrement s'en passer. Ok, d'accord, ça va parler de quoi? Et puis, on n'a pas envie d'aller voir ce genre de film. Ça, c'est mieux. C'est ce que j'appelle un film d'action. Regarde! Oh! Non, ça ne marchera pas non plus. Je vois, monsieur fait le difficile. Hop. Thank you.
Masha et Mishka, première rencontre. C'est bon! Cette fois, on l'a! Notre film! C'est bon. Et ça, c'est bon. Et encore celui-ci. On dirait que tout est là. Mais d'où il vient celui-là? Il n'est pas sur ma liste. Oh, il s'est souvenu de moi. Il ne m'a pas oublié. Wow. Hé, les amis, venez voir le nouveau cadeau que j'ai reçu. Génial! Hé, attendez, regardez ce qu'elle peut faire! Et ce n'est pas tout! Regardez ça! Bonjour! Bonne journée! Je m'appelle Machoko! Enchantée de vous connaître! Et elle peut aussi faire ça si j'appuie ici dès le moment de danser!
À lire, à peindre et aussi à chanter. Eh bien, moi, je te dis que nourrir un bébé, c'est ce qu'il y a de plus important. Ah ah ! Tu vois ? Mon bébé a développé un vrai goût pour la lecture. Tu as assez lu. On va te donner à manger. Te mettre au lit. Après, te redonner à manger. Comment ça? Maman a travaillé dur pour te préparer à manger et tu n'en veux pas? Qu'est-ce que tu veux alors? Oh oui! Tu veux que nous devenions des mousquetaires? Mousquetaire, en avant!
voix qui commande. D'abord, je suis la plus grande, et puis parce que je suis le grand et unique D'Artagnan. Qui? Tu es qui? Le héros de l'histoire. Tu vois qui c'est? Et toi, tu es qui? Alors c'est comme ça? Tu penses être le héros? Je ne suis pas d'accord. Oh si, je suis la meilleure. T'es la meilleure en rien du tout. Oh si, et toi tu es bonne à quoi? Et toi? Moi plus que toi. Non, moi. Moi, moi D'Artagnan. C'est même moi qui est bon pour un bébé. Laissez-moi ton fou, ne me faites pas peur. Ne me pas commander. Raison, Macha. On est une équipe. Où est passé notre quatrième mousquetaire? Il est parti se battre pour nous. Allons lui prêter main forte. Hé, hey, messieurs, auriez-vous vu un mousquetaire? Tu as vu ça? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Cliquez là et de dire Macha et Mishka. C'est simple